Nous sommes sur la ferme des Castors en Normandie avec son gérant Benoît Georges qui va nous parler de son essai en fertilisation localisée sur pommes de terre. Benoît, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton système ? Oui, donc on est sur une ferme de polyculture basée essentiellement sur des cultures industrielles. Donc on fait betteraves sucrières, du lin textile, pommes de terre. Et après, dans la rotation, il y a du blé, du lin, du blé et du colza. Ouais. Ok, et du coup, je sais que tu as des pratiques dites agroécologiques. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes objectifs ? Pourquoi est-ce que tu utilises l'agroécologie ? Donc ouais, sur la ferme, j'essaye de mettre en place des pratiques agroécologiques parce que plusieurs objectifs, c'est d'essayer de limiter l'érosion, essayer d'accentuer la matière organique des sols, essayer de favoriser la vie du sol, la vie microbienne et tout ça, donc c'est l'objectif. Alors, et tu gères aussi un peu la fertilisation pour faire en sorte que justement il y ait moins de volatilisation. Là, tu as fait un essai de fertilisation localisée, si je ne dis pas de bêtises, tu peux nous en parler ? Oui, exactement, donc ça fait 2 ans sur la pomme de terre que je pratique la fertilisation localisée, donc je suis équipé donc une planteuse avec une cuve frontale où je mets l'engrais donc dans la cuve qui est après apporté au niveau des socs de la plantation. Et donc ça fait 2 ans qu'on localise l'engrais. Donc l'année dernière, j'avais localisé qu'une partie à la plantation. Cette année, j'ai fait des essais en localisant 100% d'engrais à la plantation. Ouais. Et qu'est-ce que tu attends comme effet justement de cette pratique ? Alors l'objectif, c'est vraiment d'une, limiter la volatilisation en apportant en plein et de réduire aussi les doses. C'est-à-dire qu'en localisant, on sait qu'on peut réduire de 15 à 20% les doses apportées aux cultures. Donc faire une économie aussi sur l'apport. Très bien. Et donc, est-ce que tu as vu des effets positifs cette année sur cet essai ? Alors cette année, c'est vrai qu'on voit clairement qu'il y a avec la localisation 100%, il y a un effet sur le feuillage hyper important. Après, on a eu la chance aussi d'avoir des orages depuis 15 jours, des orages conséquents qui ont apporté de la pluie et de la chaleur aussi entre deux. Donc, on a un développement des pommes de terre qui est hyper accentué cette année avec vraiment beaucoup de feuillage, donc qui est vraiment bien pour la photosynthèse et le développement du tubercule plus tard. Quoi. Par contre, évidemment, les pommes de terre sont au champ, donc tu peux pas savoir sur le rendement, mais tu as peut-être déjà fait cet essai avant. Est-ce que tu as vu des effets les années précédentes ? Oui, c'est ça. Ça fait 2 ans que je pratique ça. Donc, déjà l'année dernière, j'avais vu vraiment un bénéfice sur la localisation, surtout qu'on a l'année dernière on a eu un été sec, enfin vraiment une année sèche, et le fait de localiser à la plantation, ça m'a permis de réduire la dose d'azote, et l'azote était vraiment bien localisé au niveau des tubercules, et j'ai pas eu de perte de rendement, en cours de végétation, j'ai eu des rendements corrects pour une année vraiment sèche, quoi. Et du coup, tu peux nous dire en quoi cette pratique est agroécologique ? Donc on permet de localiser dans la butte des pommes de terre l'azote qui sera utile pour la pomme de terre, et l'objectif c'est vraiment de réduire au maximum l'apport d'azote et de se caler par rapport aux besoins de la plante et dans le futur de vraiment continuer à réduire cet azote-là et d'avoir un sol plus fertile et qui tend vers l'autofertilité du sol, quoi.